Salut, salut tout le monde. Nous revoilà pour l'épisode 6. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs choses à faire. Déjà, on va faire de l'acier, ça c'est sûr, parce qu'il va nous falloir régler notre petit problème de température dans la serre. En gros, voir si en rajoutant de la glace ici, ça refroidit suffisamment à l'intérieur. Et il va nous falloir faire des bouteilles de fuel pour recharger notre cher petit chalumeau. Sinon, on va avoir des petits problèmes pour continuer à avancer notre aventure. Ça risque de nous bloquer définitivement. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'en ai fabriqué deux? Ou j'ai pas sauvegardé? Hein? Il semblerait que j'ai pas sauvegardé avant de quitter. C'est pas grave. On n'a pas loupé grand-chose. Voilà, très bien. Alors, voyons. Dans la serre. Pour commencer. On va prendre la petite tablette. Si ma souris veut bien aller la chercher. Il fait 25 dans la serre. Tiens, 5 degrés 8. Ah. La température de l'eau ne se transmet pas suffisamment bien. Donc il va vraiment falloir qu'on fasse un radiateur. Donc il nous faut de l'acier. Ok. Ok. Donc du charbon, là j'en ai 31. Du fer, là il y en a 50. Alors j'ai de l'eau, j'ai de la nitrice, j'ai un petit peu d'oxyde. Il manque le volatile. Air tank low. Et on va recharger la bouteille d'oxygène. Alors, ça Air c'est tank pareil. critical. Il va falloir qu'on se dépêche de faire quelque chose pour l'oxygène également. Bon, eh ben, je reviens. Je vais fermer un petit peu de glace, de volatile, voir si je trouve un petit peu plus de charbon. On n'en a pas besoin d'autant que ça. Du fer également. C'est parti. Et voilà. Donc, un peu plus de fer. On a le volatile, on a l'oxyde. On va prendre le charbon sur nous. Voilà. Le fer aussi. On va aller voir la petite recette, voir ce que ça donne. Alors, lingot, pour être sûr de ce qu'on fait. De la scie. C'est ça. Donc, en gros, 3 pour 1. On se trompe pas. 3 fer. Ok. Voilà. Donc pour faire 100 grammes d'acier, on a ce qu'il faut. Non, je me suis trompé. Il en faut 75 fer pour 25. Voilà, et pour le fer... mieux.
tournicotis, tournicota. Donc, on va séparer ça aussi. Il nous en faut le volatile, c'est H2O. Donc deux volatiles pour un oxygène. Je voudrais que ça monte assez haut en température, donc on va mettre ça. Et pour l'oxyde, du coup, il en faut 3. Voilà. On va voir ce que ça donne avec ça. Normalement, ça devrait être bon. Moi, ça me plaît bien. La température est bonne. La pression monte, c'est pas mal. Allez. Parfait, mais c'est génial. Je kiffe. Alors, l'acier, je sais que je vais en avoir besoin ici. Pour ce qui est des minerais que j'ai ici, on va en profiter tout de suite. Passe pas à travers la porte. Voilà, c'est mieux. Alors, on va commencer par. Hydration critical. Alors, la pression est bonne, la température encore pas mal. C'est dommage, j'ai plus grand chose à fondre. Voilà, on a fini avec notre petit four. On va le laisser refroidir comme ça. On sait jamais, il peut être encore un petit peu chaud quand on aura autre chose à fondre. En attendant, je crois qu'il faut de l'eau. Et voilà. Il faut ouvrir le casque. Hein. Pressure critical. Temperature critical. Oxygen critical. Pensez à liker, à commenter et à vous abonner. Merci. Et voilà. Alors, maintenant que j'ai bu, que j'ai mangé, que j'ai la peau du ventre bien tendue, nous avons de l'acier, ça c'est bon. Lançons la fabrication Power low. du
du radiateur. My Predator Liquid. J'espère que c'est bien ça qu'il nous faut. Alors, de l'or. Qu'est-ce qu'il m'en reste? Cuivre. 6 grammes d'or. Ah, ben voilà, c'est ça. Hein, il va falloir aller chercher de l'or. Parfait. Ah ouais, alors. Ok, bon. Je pense que c'est ce modèle-là qu'il nous faut. Déjà, pour commencer. Tu vas me dire qu'il n'y a plus d'eau? Non, c'est pas ça. Bon, on va cliquer dessus. Ah oui, mais c'est pas cette ceinture. Voilà. Combien il fait dehors? 17, ok. Donc la glace d'eau c'est là. Hop. Normalement elle n'a pas eu le temps de fondre. Température descend, ça c'est bien. Elle descend pas trop vite, mais elle descend. Et là, ça monte bien. C'est parfait. C'est la fin de journée. Ok, faut faire attention à pas mettre trop de glace dans les dans le circuit, hein. Pour deux raisons. Une, on risque de monter trop haut en pression. Et deux, ça risque de trop faire descendre la température de la pièce. Voilà. Et voilà, ça c'est parfait. Alors, les plantes. Ici, on peut récolter une pomme de terre. D'accord. Plante tomate, ça pousse, mais bon. De patates, d'accord. Bon, on va replanter les patates. Waste tank caution. Combien il y a de pression ici? 49 kilopascal. Je vais bien lâcher un peu de CO2 ici, hein, ça ne me dérange pas. Très bien. On va changer de batterie quand même, hein, même si elle est un petit peu faible pour la base, ça serait dommage. Mais nous faut. Il faudrait qu'on branche ça aussi. Et il nous faudrait aussi un petit frigo parce que les patates, elles vont pas apprécier, hein. Sinon, il faudrait faire des patates en boîte.
Ça, c'est en place. Le truc pour fabriquer les boîtes, il me semble qu'il faut le fabriquer. On verra après. On a de quoi. Il fait nuit, la température va être en négatif. La patate va se conserver. Donc, on a fait de l'acier. On a vu le problème de la serre. Tout se passe bien. Maintenant, ça va se compliquer un petit peu. Il faut faire de quoi remplir une bouteille de grâce. Remplir une bouteille de gaz. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse une autre pièce à côté, qui va être notre pièce de traitement des gaz. Ouais, on va faire ça. Alors, quelques cadres. On a dit quelques cadres. Je vois que j'ai quelques plaques. Là, il n'y a plus de fer. Voilà, il y a 100 grammes de fer. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Ah, mince. L'acier, je vais le refaire sortir. Parce qu'en fait, je pense que le prochain endroit où on en aura besoin, c'est ici. Parce qu'il va falloir attaquer la partie électrique. Alors, quelques cadres. On va commencer petit, hein, c'est pas la peine. Quelques cadres. Quelques cadres. Ouais! Et voilà. Bon, 13. Pour ceux qui veulent savoir, on peut donc rentrer dans les paramètres de la machine, de la foreuse, mettre cette flatten, et là ça permet de niveler. Mais effectivement, j'ai pas utilisé cette méthode. Je ne m'en sentais pas l'utilité. On va remettre en position normale avant que j'oublie. Bon, ça ira pour les 4 pour le moment. On va mettre quelques plaques. Pas trop parce que on n'a pas beaucoup de gaz. Il nous faut du gaz. Du gaz, il nous faut du gaz. Donc ici on peut marcher, ici. J'ai plus qu'une plaque. Ça va être juste. Hein. Alors. Non, c'est la clé à molette.
Qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais, ça va. On a encore un petit peu. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? On va faire quelque chose de relativement simple. Même, je dirais, le plus simple possible. Il nous faut donc une pompe. Pour les gaz. Bien sûr, il nous faut du fer. Ensuite, il nous faut une ventilation, on en a une, et il nous faut un connecteur pour les bouteilles de gaz. Est-ce qu'il nous reste des tuyaux? Faut qu'on fasse quelques tuyaux aussi. Non, c'est pas des tubes que je veux. Air tank low. Ouais, ça devrait aller. On va pas faire de gaspillage. Hein. En début de partie, pas de gaspillage. Je vous le conseille. Alors, une pompe. La pompe, on va la mettre. Ouais, on va faire ça. Comme ça. Et ce truc-là, on va le mettre. On va le mettre comme ça. Et ça ici. J'ai pas fait assez de tubes. Encore un, deux. Deux tubes, ça devrait suffire. Et comme c'est la dernière chose que j'ai craftée, j'ai juste à appuyer. Je vais vous Hydration expliquer. Hop, je vais vous expliquer ça. Ça va être simple. Mais avant, je vais boire un coup. Faire des explications quand ça fait bip bip de partout. Comment voulez-vous qu'on reste sérieux? C'est pas possible. Faut pas se concentrer dans ces cas-là. Allez, je vous reprends. Alors, on reprend. Il nous faut une dernière chose. Il nous faut une bouteille. Nous faut une bouteille. Faut une bouteille orange. On va y arriver, on va y arriver. Moi, je vous le dis, on va y arriver. On commence à être court de pas mal de choses, mais c'est pas grave. Je trouve que mon personnage consomme beaucoup. Mais bon. On a dit qu'il nous fallait une bouteille de gaz.
Alors, on doit avoir un petit peu de peinture. Je sais pas si on a du orange. On a du rouge. Du jaune. Pas d'orange. C'est pas grave. On va la faire en rouge. Alors, petit test. D'abord, on regarde si le circuit est vide. Il n'est pas vide. Ah, on a oublié d'alimenter. Nous faut un peu de câble. Cuivre, c'est bon. Mais il en faut. 1, 2, 3, 5. Ça fait une petite dizaine, un truc comme ça. Voilà. Alors, maintenant, voilà, on peut vider. On vide le tuyau. On veut pas de tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Et voilà, on se revoit au prochain épisode si ça fonctionne.